Bonjour et bonsoir et toutes amis et toutes fans de famille et faisait la caille. Nous comptons retrouver aujourd'hui et n'a toujours bienvenue sur chaîne Parola. C'est avec même fougla, même engouement, même respect nous gagnons pour l'autre, nous présenter devant aujourd'hui pour nous capable présenter toute nouvelle qui a bouleversé pays d'Haïti ou même qui en Haïti sur tout territoire national là ou même qui à l'étranger aux États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, France, République Dominicaine, Chili, n'importe qui côté trouvé sous la terre béni, nous disons bienvenue dans toute nouvelle pays d'Haïti. Avant de connecter nous avec le studio, pour qui ça nous parle garder quelques titres que journal Le Nouvelliste publié pour aujourd'hui. À la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs, l'économiste Kessner Farrell tente de ramener les nouvelles autorités sur Terre. Coronavirus n'est pas s'affoler, mais ne pas sous-estimer. Insécurité, si je ne peux pas donner des résultats, il faut que je cède la place à quelqu'un d'autre, dit le Premier ministre Joseph Jout, qui demande aux Américains de réévaluer leurs décisions. Le Premier ministre Joseph Jout remet les clés du ministère de l'Environnement à Abner Septembre. L'UEH entend des réformes spécifiques pour relancer le programme d'appui budgétaire en Haïti. C'est l'Union européenne. Moment arrivé pour nous connecter avec un studio pour capable connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti pour journée jeudi. Et puis en Haïti, nous connaissons, ça a eu un gouvernement, mais en fait, vous prenez même yo vous commencez avec vous. Là, nous bien gardé, ou bien nous ça été déjà dans le pouvoir à Jovenel Moïse, ou bien vous êtes sous banc, vous êtes pour vous venir occuper poste ministre, parce que vous êtes en nom, mais vous dans le gouvernement pas de capacité dans le Parlement. Donc, pas tellement gagné nouveauté. Réaction par rapport à gouvernement, ça, qui pas n'a fait parlement, qui pas gagné qu'un contrôle, donc, signature, c'est de facto. Et sénateur Nenel Kassé, puis en plus de ça, il pas sorti dans consensus politique, et qui t'a capable de bali un peu de légitimité. Donc, c'est Jovenel Moïse qui décidait avec monde qui proche lui, et qui mettait gouvernement. Et selon sénateur Nenel Kassé, il estimait pays à traverser une crise sans pareil. C'est un gouvernement de facto qui montait là et qui n'a pas réglé rien pour le peuple. Pour le sénateur Kassi, qui fait partie de dirigeants de l'opposition, il dit Jovenel Moïse voulait pour diriger pour contre lui une façon pour être capable d'établir une dictature. Il précisait que le peuple n'a pas dormi et il a bâillé une réponse à la façon dont le régime a mené un bac paysan. Et le président prend route et exil, l'elle choisit monter un gouvernement illégal sans aucun accord politique. D'après sa dirigeant politique, là, sénateur Nenel Kassé fait connaître, dans l'interview de Beethoven François Fils. Au lieu de dire mon qui prend le parti national d'assaut, t'as pris responsabilité pour connaître qui pays a besoin de sécurité, les besoins de combattre la misère, grand goût, etc. Et nous, et au bord d'une épidémie qui pas loin arriver sur nous. Même senti que c'est une équipe gagotée, c'est une équipe plaisir et qui chita là, qui a profité des présences dans l'État pour y faire tête plaisir. Mais en fait, vous ne pouvez pas ici. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous pas prendre temps. On a réagi sur question gouvernement de facto qui montait là. Et parce que nous-mêmes, nous étions toujours croyés et bataille pour peuple haïtien n'y pas passer dans un quelconque démagogie que Jovenel a fait. D'ailleurs, Jovenel pas quoi dans le bien-être peuple haïtien. Et c'est ça qui fait tout. On croit amis qui étaient allés chita avec la communauté internationale là. Et plus, et pour voir ça, on croit qu'ils rendent service quand même à la nation. Parce que on l'autre fois encore, ils permettent que ils démasquent Jovenel, ils permettent qu'ils démasquer pour voir ça, hein, qu'il est même de seule obsession, c'est diriger pour contre lui, pour permettre que lui
instaurer en un pays à une dictature. Nous-mêmes, nous avons toujours dit ça, que nous n'avons pas les cohabitations avec le pouvoir ça. Et le pouvoir ça, c'est un pouvoir qui n'a tout ce qu'on est pour qu'on est. L'in en vol, corruption, et l'in en banditisme d'État, l'in en décadeau, by peuple à des faux promesses. Et c'est ça que je dis, qui vivait entre le gouvernement ça, pouvoir ça avec le policier. Quel déchita t'a pas une série de promesses qui va chita soigner. Mais comme policier avec peuple, il va même bagaille, mais policier même, il prend responsabilité pour demander et des cadeaux satisfaits, revendication. Peuple sorti dans la rue, lui exprimer. Et je dis à ça, Jovenel a fait, il n'y a aucun côté là. Mais au contraire, la précipité n'est pas Jovenel. Une bas Jovenel garantie et que peuple haïtien pas dormi. Peuple haïtien saute fait environ 3-4 mois la bataille. Il est arrivé dans un moment qu'il a besoin d'emmagasiner quelque énergie. Pourquoi peuple haïtien n'a pas emmagasiné en pile et l'a décharger énergie ça yo et m'a dit et société civile là m'a dit peuple haïtien m'a dit tout le monde en général pral passé là laisse ça c'est Jovenel qui a bien responsabilité avec tout le monde qui a papier lio quoi blanc quelque part et qui toujours montrer que Jovenel c'est au service yo lié mais il était bail Jovenel tout mis en garde il dit Jovenel pas avancer son pas un accord politique un accord politique qui probablement qu'a dit mais comment Jovenel a fait pouvoir un accord politique qui a dit Jovenel et mais comment et peut-être procès et tout ensemble de dossiers qui concernent mais comment il va le dérouler ah mais jodia Jovenel a pris l'autre qui c'est route exil mais cette fois-ci, c'est pas exil. Jean-Claude Duval était pour aller bien. Là, il fait toute 13 villes en France. Et puis après, pour tes cadavres là-bas, nous. Et pas comme ça, n'a fait. Cette fois-ci, n'a plein responsabilité, non? Et ça fait, n'a plein son message. Ben, tout futur dirigeant, automatiquement, et que régime ça, nous mettons fin là-dedans, pour prendre disposition pour le juger tout le monde et quitter commettre attaque. Pendant le régime ça. Alternative consensuelle là, li en concertation, en réunion. Actuellement, côté ma parole là. Nous, tous délégués, nous, au niveau tout pays, nous réunir les plazas là et pour nous sortir une résolution avec un protocole entre nous pour nous dire mais comment nous allons marcher afin que les n'abavons gagnent un grand monde qui a fait l'autre bagaille et qui a viré et qui va chercher des cadeaux et on l'autre forme des solutions pensant que et la caille Jovenel bon volonté mais nous avons réglementé ça et puis après pour nous rejoindre l'autre entité qui dans la société civile là qui en dans pays là pour nous converger dans la même direction pour ne pas quitter le pays à fin période. Sénateur Nenel Kassi, Alternative Tête Ensemble a fait un rumble avec tout dirigeant Mamnio depuis le matin dans la capitale là. Et sous Bopal, il y a un professeur Victor Benoît qui estimait Jovenel Moïse pas sous négociation vraie, l'elle décidé choisir un premier ministre pour compte lui. Et li pat soujwen anken akòd politik, c'est pas vrai, c'est menti. Et c'est yon premier ministre de facto, et li pas trop bien, li pas ouais, très bien promesse monsieur Apmache Feyo, en parlant de nouveau premier ministre, population habituée à qualité promesse sa yo que autorité pas jamais respecté d'après sa professeur Victor Benoît déclaré dans micro Beethoven François Fils. Président a agi dans son sac de notre tête. Mais Barret nous donne de dire que les roulés dans la farine, non. Nous rencontrons, c'est nous-mêmes qui démarquons, monsieur. Hein, le fait que nous avons chita sous table de négociation, qu'on y a montré devant tout le monde que les portes sous négociation vraies. Parce que les dérivés nous proposent réduction de mandat, ça signifie que nous avons montré nos souples. Et que lui-même, n'est-ce pas, li, après que le député dit, c'est pas mandat qui est intéressé, qui réforme, et puis qu'on y a les vérités sous tambour pour que les réduisent. Du ce mandat, il n'est pas fait. Il y a eu et sa véritable position a été donnée par deux faits. Premièrement, le premier fait, c'est le discours de Jacques Mel, quand il annonce qu'il va le fonder pour le demander, n'est-ce pas, pour attendre la fin des négociations. Et deuxièmement, l'autre fait là, c'est que les choisis premier ministre dans conditions que nous connaissons, sont en concertation, etc. Donc, la position réelle de M. Jovenel, c'est que il n'est pas déjà d'accord pour un grand accord politique. Ou plutôt, si un grand accord politique, il faut monde accepter venir entrer dans le gouvernement. Pour ça, de couverture pour le capable de modifier la constitution, pour l'enforcer pour pouvoir aller et comme président de la République. Donc nous n'avons pas marché de bagages comme ça. Le gouvernement monté, les PM non, c'est Joute Joseph et par rapport à Messe qui commence à faire, qui perspective là, Jean Bagayoko pour aller là maintenant. Bon, ça veut dire que
le premier ministre de facto monté à la, les... bon, c'est que le parc a parlé l'audience. Grand série de promesses que l'I fait, par exemple, combattre le banditisme et combattre les inégalités sociales, travail pour une croissance économique, pour développer l'économie pays. Bon, ce sont des promesses que n'importe qui tape premier ministre, c'est ça que l'État a bien pour le dire, avec peut-être quelques autres balais encore. Donc, pas rien que d'innovatrice là, qui pourrait éblouir, non. Et seulement les populations habituées avec les promesses de ce genre, et notamment de la part du président, donc comme si ce sont des promesses qui va jamais honorer, qui va jamais respecter, on baisse les. Donc on sait que ça peut bagarre là pour le premier ministre, d'autant que le premier ministre, en vrai, c'est défini comme quelqu'un qui est là pour faire les quatre volontés du président. D'après ça, me tendait, il dit dans le discours qu'il fait, hein, que du genre que l'entrée dans le bureau président avec une idée, puis elle sortit avec l'idée présidente, sortie, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui se définit comme chef du gouvernement, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui se définit comme le serviteur du président de la République. Donc on n'est pas sur une auberge. Voilà, professeur Victor Benoît, qui est dirigeant RSD, puis fait partie tout de un bloc politique avec Emmanuel Ménard, Kouetou, avec l'autre dirigeant politique, et côté les signataires de l'accord Mariotte, non? Mais il était allé quand même dans un rendez-vous qui était gagné dans un statut apostolique, non? Professeur Victor Benoît, c'est une personnalité qui était pris en pile critique, peut-être qu'il était allé dans rendez-vous et dans nos statuts, et qui joue aujourd'hui à très critique par rapport à Jovenel Moïse. En fait, il était balle une chance. Et Jovenel Moïse fait tout dirigeant politique qui était à tenter, quoique il était capable. Et effectivement, si tu as parlé, ça a été avec l'aile modérée opposition, faire toute honte. Et lui montrer, c'était manœuvre, c'est tant d'a fait passer, dit même avec la communauté internationale là, qui d'ailleurs reconnaît le gouvernement, non, et immédiatement, pas jamais poser problème et par le Parlement, et côté, dit rouler tout pour nous faire une farine, alors que grand pile qui était risqué en pile dans la crédibilité, yo, pour être alchita avec représentant. Même direction parti famille Lavalas agronome Anthony Dessous dans interview by Radio Kiskeya et fait connaître monsieur Joseph Jout qui rivait là dans tête et gouvernement et c'est absé sous clou dans interview li by Radio Kiskeya et jeudi et agronome Dessous fait connaître situation pour lui même vienne plus compliqué chaque jour plus pas gain aucun côté pouvoir être calé à peine pays. Selon lui-même, c'est le peuple haïtien qui doit prendre destin en main pour retirer Jovenel Moïse au pouvoir. N'attendez agronome Anthony Dessous, qui fait partie de direction parti Famille Lavalas, qui est parlé comme ça dans le micro, dit doit parler. Bon, c'est sous clou. C'est sous clou parce que c'est une décision qui prend de façon unilatérale. Déjà, c'est gagné une situation extrêmement difficile. C'est pas ici en tapis. Avec les décisions que Jovenel Moïse prend pour le mettre un gouvernement de facto en place, il choisit un monde parlé, il mettait comme premier ministre, pas gagné un parlement qui pourtant normalement courait sa prévoir la constitution censé bailler Mounsa à partir de police générale présenté au tabali un vote de confiance. Donc nous prenons la méra là. Nous prenons la méra et c'est une situation censée à venir compliquer davantage mal-être sur capable peuple haïtien. Mon yo qui l'a en misère, mon yo qui gagne difficulté de vie, il y a une sécurité qui monte combien de degrés. Donc nous n'avons aucun côté nous prêts. Là avec Jovenel Moïse et Moun que le mettait avec Dieu pour 10 ans pour régler les questions pays d'Haïti. Donc c'est Peuple Haïtien lui-même qui pour prendre destin en main pour recommencer mobilisation pour que je finisse par mettre à terre l'équipe M. Sao qui est censé mettre pays d'Haïti dans le trou encore plus fort que lui, là trou que lui est déjà. Donc nous-mêmes en tant qu'organisation, on a continué à accompagner Peuple Haïtien. Non, c'est l'idée de la revendication, mais définitivement, ce peuple-là qui vous met frappé pied pour trouver une solution à la situation. Là. Mais comment on déclare son premier ministre avec Pomessif? Mettez accent sur trois axes majeurs pour la question de combat de sécurité, à l'Ibari Lance économie. Bon, écoutez, il y a un débat en tout cas. Pour commencer, monsieur, il faut connaître que lui-même personnellement, le pas au monde, mais le pas en personne, il a le sens de responsabilité, puisqu'elle dit
depuis le président d'Adil, j'ai fait un bagage paré pour être dans la vision de que ça veut dire. On va pas attendre rien, attendre rien de sérieux avec un monde qui est capable de faire telle déclaration. Et puis, en attendant, même chef LIA, en parlant de Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, son monde tout le temps, l'a fait des déclarations, l'a fait des promesses, d'arriver qu'un pays. Et voilà que mon monde il choisit comme premier ministre d'Adoué et les problèmes qu'il a dans le pays avant. Ça, lui-même, pourquoi ne pas les doutes, c'est sa président dit et ça doit le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit toi à te parler de lui. Bon, c'est juste pour la galerie. C'est juste pour la galerie. Et une bonne garantie, on donne encore quelques 2-3 semaines pour voir est-ce que mon mouvement qui a fait l'ensemble de ça, M. Dilbrasseur. Non, non, là, vraiment, moi, je pense que les carottes ne sont pas gagnées. Ou de pas boire, c'est démission équipe là et courant d'abdou. Et par rapport à plan gagné, c'est conférence nationale, c'est pour cette totalité. Encore, c'est un mouvement pour que je suis capable de prendre place, lutte contre la corruption. Et une fois que le décap arrive, mettez en place le temps nous cap penser à question d'élection. On n'a pas parlé d'élection. Qui est dans l'élection avec ça aussi là? Non, non, mais vraiment, on y a pensé que le pays en sont pas l'élection, bien sûr qu'il a fait ça rouler avec lui, mais cette fois-ci, je pensais que c'est la dernière. Côté où vous voulez aller, côté où vous voulez mener le pays, il n'y a pas quoi que le peuple a accepté, mais au même, il y a mené le pays à côté d'affaires. Voilà, c'est agronome Anthony Dessous, membre direction parti Famille Lavalas, qui t'a parlé comme ça, et sous installation et gouvernement de facto. Tu as répondu à une question d'hydroparent. Communauté internationale là soit heureuse d'après avoir gagné un gouvernement, il reconnaît déjà. D'ailleurs, il y a une ambassadrice américaine qui rencontrait avec M. Jout et sous trois points particulièrement, question sécurité, développement économique et puis élection. Mais nous connaissons dans l'agenda Jovenel Moïse et premier ministre de facto de la DIL tout, et grand affaire de faire constitution paillot. Mais bien que l'Assemblée ambassadrice américaine n'a pas abordé question de constitution. Banque mondiale a approuvé hier un don de 56 millions de dollars américains pour appuyer, d'après ça, dit, développement urbain, ville cap haïtienne, deuxième ville pays, nous connaît, et un joyau lié dans la culture haïtienne, non, et mais qui n'ont très mauvais état. Conseil d'administration Banque mondiale a approuvé hier un cadeau de 56 millions de dollars, et c'est l'Association internationale développement IDA, et pour projet développement urbain, ville cap haïtien. Et donc projet ça, il est là pour améliorer infrastructure gain dans ville là avec espace public yo pour permettre deuxième ville paysan ville plus attirante, plus vivable et puis gain plus force selon Banque mondiale. Cap haïtien yo rappelé qui c'est deuxième pays gros centre et activité business dans paysan et qui gain paquet potentiel pour ta tourner un pôle dans ça qui concerne croissance. Dans le département Nord, a fait face à un paquet de défis importants qui empêchaient le développement et réduit la qualité de vie citoyens qui vivent dans la ville. Ça, c'est ça, et Annabella et Abreu et Fekone, directrice pays Banque mondiale en Haïti. Et Banque mondiale Abreu et Banque mondiale travaille avec le gouvernement haïtien et puis avec l'autre partenaire de développement pour faire de ville au Cap-Haïtien un plus bon endroit pour monde vivre, pour monde visiter, pour monde faire business selon madame Abreu. Et d'après analyse yo fait sur question urbanisation en Haïti, Banque mondiale toujours, environ 64% population a vivre dans ville. Et ça qui fait de Haïti 4e pays et qui plus urbanisé dans Amérique latine à Caraïbes. Alors que jusqu'à présent, il était toujours à dire plus que 60% de la population à vivre et dans la campagne. Mais la Banque mondiale vient à l'autre chiffre. Et cependant, l'urbanisation, il fait sans que pas de aucun plan, sans que pas aucun règlement, donc anarchie, désordre. Et il y a une série de villes, et en plus, ce n'est pas une ville, voyez vraiment, qui chargeait à tout le monde, environ 74%
monde qui a vivre dans ville tant qu'au Cap Haïtien, c'est Banque Mondiale qui a parlé toujours, a vivre dans quartier précaire. Côté qu'un paquet de monde, yon sous l'autre, environ 72% caillou, yon fait dans zone tête chargée. Côté locané facilement, ça les zones vulnérables. Zones qui pas ta supposé gen caille. Non, et toujours Banque Mondiale, il parlait de il rappelait qui gens ça arrivait fait, c'est un petit bout de terre en pile fois non, petit côté ils font ville et ils mettaient quelques routes, quelques infrastructures, quelques espaces publics qui tout petit et puis qui limitait déplacement mounyo, qui limitait opportunité pour développement économique avec disponibilité dans ce qui concerne espace pour loisirs. Par exemple, qui côté gon parc et dans une ville en Haïti, côté gagnant et un côté qui c'est un poumon et dans ville là ça pas existé. Et donc croissance pour demain dit Jean-Banque Mondiale Paléa et tout haïtien conscient de ça, ville yo pas fait en quelle perspective et de développement de zone pour garantir que yo développer dans harmonie et pour permettre gain accès à des espaces qui ouverts, des espaces publics qui essentiel d'après sa Banque Mondiale dit pour faire promotion yon pi bon qualité vie côté moun capable vivre un pi bon développement dans une ville takou au Cap Haïtien. Donc expérience dans l'autre ville à travers le monde démontrer espace public yo bien concevoir yo les bien gérer yo yo gagner yon paquet impact et qui positif sur ville yo yo contribuer pour gain égalité entre citoyens yo et cohésion sociale, améliorer santé et permettre un bon environnement et durable et yo soutenir développement économique les que ville yo yo bien planifié d'après sa Paola Restrepo responsable projet dans Banque Mondiale déclaré. Donc projet développement urbain ville Cap Haïtien visé pour permettre que gain plus espace public de qualité selon sa banque l'a dit pour améliorer moun capable et flâner déplacer et pour garantir sécurité dans question route réduire vulnérabilité et infrastructure dans ville là et face à problème naturel on se parle de notation mais nous connaît au Cap Haïtien gagnent yon gros point d'interrogation sous tête li qui relait un gros tremblement de terre n'importe qui là et puis projet tout pour mettre yon pati bord main au Cap Haïtien pour bal plus importance ça que Port-au-Prince perdu mais même de toujours de l'eau couler dans bouche les mal au cap moi ouais que au cap t'es capable gagner yon sander les bois ici bord main belle bicentenaire nous perdu nous-mêmes mais yon fait qu'on est y a travail et pour sous et fondement et au Cap Haïtien qui capable contribuer dans développement tourisme et dans activité économique. Alors Banque Mondiale dit y a réhabiliter infrastructure route à quartier yo pour améliorer condition la vie dans zone qui tout près et côté villa a l'ouvrir la plaité et a renforcer tout capacité gouvernement pour faire des investissements pour faire de entretien dans investissement ça. Donc ça est parole Banque Mondiale. Notez c'est pas gouvernement haïtien qui a annoncé. Nous pas connaît qui plan développement y est et nous pas connaît tout si moun au Cap Haïtien moun qui a vivre dans ville là et moun nan nord et citoyen haïtien yo te gen mot pa yo pou di sou ki jan yo ta souhaité et ta wè développement au Cap Haïtien. Parce que en pile fois genre de projet ça malheureusement yo décidé dans de bureau très loin côté citoyen yo y est. Et puis vous avez comme là 56 millions de dollars doit ouais en après vous doit pas jamais saisir comme ça moi même son regarder vous doit pas jamais saisir comme ça pour un côté qu'on l'a passé ou pas ouais rien donc nous même ça nous a souhaité 56 millions de dollars t'a investi vrai pour renforcer ville au Cap Haïtien mais son ville que vraiment aimer en pile qui dans cœur moi m'a souffri en pile pour moi et comme tout haïtien a souffri pour ça au Cap Haïtien tourner ville ça qui a toute potentialité ça une ville qui tout près et dans zone côté liage la citadelle labadi li a 30 minutes de frontière et république dominicaine li a exactement même distance de une dans centre côté grand pile activité touristique dans zone nan Tekken Caicos c'est incroyable
et puis il y a plein, il y a monde, il y a toute qualité pareil, il y a histoire, c'est une ville historique et que pays a gagné, non là lui-même c'est nous capable de dire c'est un grand trésor lié et puis pour être comme ça pour une ville là. Couvrir Mafatra, il y a toute architecture, nous avons l'autre ville qui concerne en Haïti qui c'est tout deux aspects et de développer pour te faire de au cap haïtien un joyau. Mais nous avons une ville qui couvre en Bafatra, une ville qui a repoussé le monde. Donc, qui genre de développement Banque mondiale pour faire? Est-ce que la fait pour contenir un gouvernement? Est-ce que le gouvernement a gagné une vision? Nous ne connaissons pas. Il faut premier camper. Merci à vous-même qui êtes pour un temps, pour tes petits chaises bas, pour être capable de suivre et édition nouvelle ça ensemble avec nous. Nous sommes contents, nous sommes ensemble avec nous. N'a pas demandé grand maître là qui gagne tout pouvoir, qui est capable de protéger, qui est capable de réussir dans tout ça qu'on mette main. Passez bonne journée, toujours été connecté avec chaîne Paola, faites la caille, mais pas oublier, bien avant que vous allez, pour capable abonner chaîne dans ce qu'on fait ça, activez la cloche là, mettez-le sous tout, pour qu'on vous recevez une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Passez bonne journée et bon week-end.